The Focus valorise la femme dans son rôle de mère et de pro. Pour aider trois mamans parmi vous, mes tatas Joël, Perle et Linda, je vous offre la possibilité de gagner un superbe cadeau pour des ados comme moi. Ce cadeau, un an d'abonnement à Kimani Mag, le magazine des filles ados qui nous aide à prendre plus confiance en nous. Grâce à des articles, des conseils, des astuces et des infos au top du top pour nous les filles ados. Pour participer, c'est très simple. Allez sur YouTube et abonnez-vous à la chaîne The Focus Platform. Envoyez le screenshot de votre abonnement par mail à contact@thefocus.fr et mes tatas vous contacteront si vous êtes tiré au sort. Je suis Théa et je suis dans le Team Animag de mars 2022. Bonne chance à toutes les mères d'exception qui participeront. Des focus d'or pour de véritables femmes en or. Faire et grandir ensemble. Plus que des mots, ce sont de véritables relations professionnelles et humaines que nous avons réussi à construire, renforcer et pérenniser avec de nombreuses femmes d'exception. À travers leur parcours de vie exceptionnel, qu'elles ont bien voulu partager avec nous, avec vous, les femmes d'exception que nous avons souhaité mettre en avant dans ce numéro spécial ont chacune, par leur personnalité, su enrichir les discussions des émissions Focus sur. Les rencontrer, échanger et travailler avec elles ne semblait pas si évident que cela. Et pourtant, nous l'avons fait ensemble, pour certaines depuis des années et pour d'autres à peine quelques mois. La force de leur engagement et la bienveillance dont elles font preuve à chacune de nos collaborations reflètent parfaitement la notion même de faire et grandir ensemble, qui nous est si chère à Perle, Joël et moi. Un peu comme une recette qui marche à tous les coups, nous vous partageons les quelques ingrédients qui ont contribué à créer et renforcer les liens qui nous lient à ces femmes et aussi qui les lient entre elles, car oui, The Focus a permis que de réelles synergies se créent entre la majorité de ces femmes d'exception. Ce numéro spécial est un hommage à ces femmes en particulier, mais également à toutes celles avec qui nous avons eu la bénédiction de travailler, simplement pour leur dire merci. Bonne lecture de leur portrait intimiste sur The Focus Magazine, le numéro 9. Pour la deuxième partie de Secrets de Femmes pour explorer la warrior que tu es, la warrior qui est en toi. Je suis Linda Kouvoamamoutone, comme vous le savez, et je suis dans un nouveau format de Secrets de Femmes, l'émission estivale de The Focus, je le rappelle, qui est le média qui valorise la femme dans son rôle de mère et de professionnelle. Je l'anime avec deux autres femmes d'exception que vous connaissez peut-être déjà pour ceux et celles qui nous suivent depuis le début de l'aventure The Focus, Perle Koussala et Joël Dagosseri. Mesdames, je vous embrasse, vous moquez, vous êtes ouais, juste exceptionnelles. Bon bref, alors on va partir du coup pour la thématique de ce jour, donc que je vous propose, secret de femme pour explorer la warrior qui est en toi. Juste avant de continuer cette liste, la sixième question, je vous rappellerai juste les cinq premières questions que je vous lis très rapidement et que je vous invite, mesdames, encore une fois, à y jeter un petit coup d'œil pour pouvoir trouver vos propres réponses, en espérant que mes réponses que j'ai données dans la première partie pourront contribuer à pouvoir peaufiner vos réponses à vous, mesdames. Alors, la première question, c'était: face à tes peurs, es-tu plus du genre à faire la politique de l'autruche ou à les affronter? La question 2, à quelle fréquence t'arrives-tu de penser que tu mérites les bonnes choses que tu vis dans l'année? Question 3, te contentes-tu de ce que tu sais faire de correct ou explores-tu ce que tu peux faire d'extraordinaire? Cette question, elle piquait un peu hein, de mémoire. Bon, bref. La question 4, es-tu plus fonceuse face aux risques ou bien les refuses-tu tous par souci de sécurité? La question 5, et je terminerai par celle-là pour pouvoir continuer ensuite la liste des questions, c'est: au bout de combien de fois refuses-tu quand te marche dessus par n'importe qui? Je crois que la réponse est encore bien vivante, bien claire dans ma tête.
C'est donc parti pour la question 6. C'est sur une échelle de 1 à 10, quel est ton degré de détermination pour atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient? Sur une échelle de 1 à 10, quel est ton degré de détermination pour atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient? Est-ce que je dois vraiment répondre à cette question? Vraiment. Est-ce que vous vous doutez encore de l'échelle là? Je crois que le 10, c'est pas suffisant. Hein. On aurait dû mettre même 50. Parce que là, le 10 est dépassé au fait. Mon degré de détermination, ça fait partie de mes défauts ou peut-être de mes qualités. Ça dépend de quel point de vue on se place. Je suis extrêmement têtue, extrêmement bornée, extrêmement focus. Je prends plus de temps à réfléchir sur est-ce que je dois y aller ou pas. Mais dès que la décision est prise que oui, j'y vais, no matter what, peu importe ce qui se passera là, je ne le souhaite pas tant que je suis encore en vie, je touche du bois. Je vais juste faire ce qu'il y a à faire. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Pour la petite histoire, j'ai survécu à 2 guerres civiles. D'accord? J'aurais pu mourir à n'importe quel moment avec ma famille. Aujourd'hui, je vis la vie à 1000%. Non pas que je monte, voilà, je vais sauter du haut du Kilimandjaro, son parachute et compagnie. Non, je ne veux pas parler de ça. S'il y a un truc qui est important dans ma tête, qui traverse mon esprit, qui reste ancré, ne serait-ce que 1, 2, 3 semaines dans ma tête, je réfléchis, est-ce que ça vaut la peine d'y aller ou pas? Est-ce que j'y vais ou pas? Une fois que j'ai dit oui, j'y vais, la détermination que je mets pour atteindre mon objectif, quel qu'il soit, elle est exponentielle. 10, c'est petit, au fait. 10, c'est pas suffisamment représentatif de cette force-là que j'ai envie de vous partager. Mais je crois qu'en m'écoutant, j'espère que j'arrive à pouvoir vous transmettre ça. Mais vous qui m'écoutez, mesdames, vous qui me regardez, encore une fois, on n'a pas la même personnalité, on n'a pas la même manière d'agir, de réfléchir, de penser. C'est ça qui fait la beauté justement du monde, le fait qu'on soit différente. Mais pas conseille, parce que je n'ai pas donné des conseils. Mais je vous invite, c'est ça, je vous invite à vous poser la question de savoir si vous n'essayez pas d'atteindre cet objectif-là, qu'est-ce qui se passera pour vous? Peut-être pour les personnes qui allaient bénéficier des conséquences ou des résultats de ce que vous voulez faire. Après, on peut ou pas atteindre l'objectif, hein, encore une fois, il ne s'agit pas d'absolument l'atteindre. Mais pour essayer d'atteindre cet objectif-là, je mets tout ce qu'il faut, je suis déterminée. Comme j'aime bien le dire, le mode pitbull activé au fait. Je ne lâche pas le noce tant que je n'ai pas atteint mon objectif. Et si j'ai essayé toutes les possibilités qu'il y avait dans ma tête pour pouvoir atteindre cet objectif-là et que malgré tout, je ne l'ai pas atteint, je ne serais pas si déçue que ça parce qu'au final, je serais contente, je serais même limite fière de moi d'avoir essayé malgré tout. Et puis voilà, et dans le process de l'essai, on arrive forcément à un autre niveau de compétence, à un autre niveau de connaissance, à des interactions beaucoup plus riches avec d'autres personnes parce que justement, on a essayé encore et encore et encore et encore. Donc vraiment, cette question-là, elle est juste top. Donc sur une échelle de 1 à 10, franchement, mon degré de détermination, pardon, il est à 100. Il est à 100. Vraiment. Alors la question 7, combien de fois par mois pratiques-tu l'auto-congratulations? Ouh là là, par mois, je ne saurais pas vous dire pour être tout à fait honnête, mais j'essaie de le faire le plus souvent possible. Parce que depuis que je travaille, ça va faire 13 ans, un peu plus maintenant, les périodes down, il y en a tellement, surtout le début, c'est tellement compliqué. Et je me suis rendu compte que plus on va crescendo en termes d'années, plus on a envie de faire des projets, plus les projets qu'on veut réaliser sont entre guillemets un peu fous, et plus on se sent un peu, enfin en tout cas moi, parfois je me sens un peu minable. Je me dis, mais pourquoi est-ce que tu t'es encore lancée, Linda? Franchement, pourquoi tu t'infliges ça, quoi? Pourquoi tu t'infliges ça? Et quand je me rappelle juste à quel point c'est important, encore une fois, pour moi, mais pas seulement, et je me dis que cette période-là d'inconfort où je ne suis vraiment pas à l'aise, où je ne suis vraiment pas bien, et les personnes qui, dans notre activité, The Focus, ont un peu vu l'envers du décor, savent à peu près de quoi je parle. Et quand au final, on voit le résultat à J plus 5 mois, 6 mois, peu importe, on se dit, ah ouais, ça en valait quand même la peine. Donc lui, l'auto-congratulation, je le pratique assez souvent dans le mois. Je ne saurais pas vous dire combien de fois par mois, mais oui, c'est important et je vous invite, mesdames, même si c'est une petite réussite, c'est encore une fois, qu'est-ce qu'on va dans petite? C'est pour vous.
Donc, quand je fais auto-congratulations, bon, Mallory, elle fait le Bessemer. On en a même parlé avec Dominique. Ma très chère Dominique, je te fais un petit coucou aussi. Moi, je suis plutôt en mode comme ça. Attends, je pose le micro, je vous montre. C'est important parce que devant la glace, ça, je vous cache pas, vous aurez l'air con. Ça, c'est vrai. Moi, j'adore avoir l'air con toute seule devant la glace. Mais me parler, me dire, ouais, Nathalie, tu es arrivée, c'est génial. Ça donne une espèce de force, encore une fois. Vous n'avez pas idée, mais faites-le, essayez-le, et puis vous me dites ce que vous en pensez. En tout cas, ça me fait du bien. C'était juste pour partager cela avec vous. La question 7. Combien de fois par mois... Non, ça, c'était la question 7, pardon. La question 8, autant pour moi, la question 8. Comment réagis-tu à l'écoute de cette phrase à ton encontre? Tu n'y arriveras pas, laisse tomber. Comment réagis-tu à l'écoute de cette phrase à ton encontre? Tu n'y arriveras pas, laisse tomber. Seigneur. Si on vous a déjà dit ça, hein, la personne qui vous a dit ça, dites-lui merci. Pas tout de suite parce que sur le coup, ça énerve. Vraiment, moi la première, ça énerve. Mais venez, revenez lui dire merci des mois, des semaines, des années après lorsque vous aurez atteint votre objectif, voire même dépassé. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on ne va pas le dire comme ça, même si les gens ne vont pas vous dire « tu ne vas pas y arriver, ça ne sert à rien », il y aura toujours des petites phrases insinueuses là. « Oui, mais tu es sûr, mais est-ce que toi vraiment tu vas y arriver? Est-ce que ?» Sur le coup, en fonction encore de qui vous êtes, hein, vous réagirez comme vous souhaitez, comme vous. En tout cas, ce qui est en accord avec qui vous êtes. Me connaissant, sur le coup là, quand quelqu'un me dit ça, en fonction de la personne, en fonction du contexte, si je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce que tu penses d'eux, je suis prête quelque part à entendre une réponse que je n'ai pas forcément, comment dire, que je ne suis forcément pas disposée à entendre. Et comme je suis préparée, ça passera un peu mieux que si je ne te demande absolument rien et que toi, de là où tu es, tu penses dans ta bienveillance venir me prévenir que ce que je fais n'est pas bien. Et que tu me diras encore une fois dans ta bienveillance, oui, c'est pour mon bien que tu fais ça, hein, que tu me préviens que ce que je fais, je ne vais pas y arriver, donc il ne faut pas que j'y aille, et que je ne t'ai rien demandé, et qu'on n'est pas forcément proche, toi et moi. Hein. Encore une fois, prépare-toi à avoir la réaction que je suis censée avoir à ce moment-là. Si tu me connais un petit peu, je crois que tu t'abstiendrais de le faire. Et moi, personnellement, je ne le fais pas non plus aux gens. J'essaie vraiment de ne pas. Enfin, de ne pas... je ne suis pas Jésus, au fait, pour la faire simple. Qui je suis pour dire à quelqu'un que je ne dois pas y arriver? Tu vois dans l'avenir? Non. Je ne vois pas dans l'avenir. Je ne connais pas les capacités mentales, physiques, financières de cette personne-là. Du moins à 100%, parce que si elle-même ne les connaît pas. Et ce genre de phrases ont plutôt tendance à nous amoindrir, à nous réduire à quelque chose, à un état. À un état de actuellement là, précis. À cette heure-ci, là, tu ne peux pas le faire. Mais demain, peut-être qu'elle pourra le faire. Donc, qui suis-je pour venir dire à quelqu'un que tu ne vas pas y arriver? Et toi, quand tu veux me dire ça, qu'est-ce que tu espères que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi comme réaction? C'est ça que je ne comprends pas. Les gens qui font ça, arrêtez. Si vous le faites même de manière un peu, c'est pour son bien. Non, la personne ne vous a rien demandé, ne le faites pas. Si vous ne pouvez pas encourager les gens, pardon, ne dites rien. Ne dites rien. Parce que vous ne savez pas ce que demain est fait. De nombreuses personnes à qui on a dit que tu n'y arriveras pas, comme moi, c'est que ça a été comme une espèce d'élément déclencheur. Comme le coup de boost, le moteur pour dire watch me. Watch me. I can do it. Il n'y a que vous, mesdames, qui pouvez savoir si oui ou non, vous pouvez ou ne pouvez pas faire quelque chose. Ne laissez jamais personne. Et quand je dis jamais personne, c'est quelqu'un d'autre que vous. Quelqu'un d'autre que vous. Quand je dis quelqu'un d'autre, même si c'est votre père, votre mère, avec tout l'amour que vous avez pour ces personnes, pour vos parents, hein, avec tout le respect que vous avez pour vos parents, ils ne savent pas non plus si vous pouvez y arriver ou pas. Vraiment. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ça. Et donc, effectivement, l'entendre tous les jours d'une personne qui vous dit ça, en plus si c'est une personne qui est proche de vous, fuyez-la cette personne. Fuyez-la. Rentrer le moins possible en interaction avec elle, parce que, encore une fois, ça se trouve, elle le fait sans méchanceté aucune. Ça se trouve, elle le fait pour vous épargner une déception, selon elle. Ça se trouve, elle le fait pour vous protéger. Mais encore une fois, elle n'est pas Jésus. Elle n'est pas Jésus, elle n'est pas Mohamed, elle n'est pas. Voilà. Mahomet, pardon, elle n'est pas. Non, non. Elle ne connaît pas l'avenir.
Il n'y a que vous, mesdames, il n'y a que vous qui pourrez savoir si oui ou non, si vous pouvez faire ça. Donc, tu n'y arriveras pas, laisse tomber, non. Moi, quand on me dit ça, j'entends tout le contraire. Et en fonction de la personne, non pas que je veuille lui prouver, parce que je n'ai rien à prouver à qui que ce soit, mais si quelqu'un peut vous dire ça à vous, c'est que quelque part, vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour venir dire à quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui est à l'opposé de son but, qu'on laisse tomber s'il n'y arrivera pas. Pourquoi faire ça? Donc, au contraire, persistez, continuez. Et si vous bloquez quelque part, essayez de voir qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça bloque, comment détourner, contourner la chose, sauter l'obstacle, comment foncer au travers et trouver une solution pour atteindre votre objectif, encore une fois. Tu n'y arriveras pas, laisse tomber. Faites ça à l'envers. J'y arriverai, je ne laisse pas tomber. J'y arriverai, je continue. J'y arriverai. Répétez cette phrase-là. Et puis, en fonction encore une fois de qui vous êtes, réagissez sur le tard auprès de la personne qui vous aura dit ça. Moi, encore une fois, ça dépend de la personne qui me dit ça, mais vraiment, j'ai du mal déjà pour elle, quoi. Bon, bref. La question 9. Est-ce que tu laisses la honte, la peur, les regrets et la culpabilité orienter les choix que tu prends dans ta vie? La question 9, je la répète. Est-ce que tu laisses la honte, la peur, les regrets, la culpabilité orienter les choix que tu prends pour ta vie? Cette phrase, elle me fait l'effet Fukushima. Pour les personnes qui nous suivent un peu tous les vendredis sur le club, enfin sur la room, hein, sur Clubhouse, sur justement la room secret de femmes, parce que oui, c'est également une émission sur Clubhouse, La Voix, vous savez, ceux qui connaissent Clubhouse, comprendront l'effet Fukushima quand je dis ça. Est-ce que je laisse la honte, la peur, les regrets et la culpabilité orienter les choix de vie, les choix que je prends pour ma vie? Il y a une chose déjà, la honte et la peur encore peuvent un peu, on va dire, avoir un petit impact quand même. Ils peuvent me laisser réfléchir avant de faire quelque chose. C'est, encore une fois, c'est humain. Quelqu'un qui dit que j'ai pas peur, j'ai pas honte, là, bon, chacun, peut-être la peur, j'ai pas peur, je ne sais pas si c'est vrai, hein. La peur, on l'a toute, hein, je crois, sincèrement. Moi, j'ai juste appris à faire de la peur une alliée. Coucou Ariel, Léonie, que j'adore. La peur, c'est une alliée. J'en ai fait une alliée. Grâce notamment à des échanges avec Ariel et Léonie, que j'adore aussi. Mais les regrets, pour moi, les regrets, non. J'ai fait en sorte que les regrets n'existent plus dans ma vie. Je m'explique. Et après, je répondrai effectivement à la question. Et j'espère que ma réponse pourra vous aider, mesdames. Mais... entre les remords et les regrets, je préfère 50 000 fois gérer les remords. Parce que les remords, c'est je voulais faire quelque chose, je l'ai fait, puis finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça, qu'il ne fallait pas le faire. Ah là là, j'aurais pas dû le faire, c'est dommage. Mais les regrets, c'est que je n'ai jamais fait cette chose-là. Parce que j'avais honte, parce que j'avais peur, je ne l'ai pas fait. Et s'il y avait un moment précis pour le faire, même si encore une fois, j'ai déjà beaucoup la phrase que rien n'est irréversible dans la vie à part la mort, mais vraiment rien n'est irréversible dans la vie à part la mort, il n'empêche qu'il y a des moments précis où passer à une action concrète à ce moment précis-là, si je ne le fais pas, je regretterai toute ma vie parce que je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. Gosh! Ça, pour moi, c'est violent. Je peux pas. J'ai beaucoup de mal à gérer les regrets. Donc, du coup, en général, les regrets, j'en ai plus. Vraiment, j'essaie de ne plus en avoir du tout. Non, j'en ai même plus, au fait. Je n'en ai plus. J'ai encore la bénédiction d'être en vie, d'avoir mes pieds et mes mains qui fonctionnent. J'ai besoin de faire quelque chose qui est important. Je fais. Je le fais. Avec ce que ça comporte, effectivement, de part de risque, qu'on a calibré, effectivement, je ne parle pas, encore une fois, de faire des choses qui vont atteindre par votre intégrité physique. Il ne s'agit pas de ça. Mais je parle, encore une fois, en termes de projet. Si j'ai besoin de faire quelque chose, que c'est important pour moi, mais je dois le faire. Je dois le faire. Comme ça, je ne regrette pas. Et si, malgré tout, en le faisant, je me suis rendu compte, après l'avoir fait, que ce n'était pas la bonne chose à faire, mais au moins, je saurais parce que je l'aurais fait. Mais imaginez cette chose-là, madame, que vous avez envie de faire. Et que parce que vous trouvez des raisons. Oui, j'ose le dire, ce sont des raisons. Des raisons pour ne pas y aller. Alors qu'au fond de vous, vous savez que ce ne sont que des raisons. Vous pouvez trouver comment contourner l'obstacle. Comment, malgré tout, passer outre.
le sauter ou traverser cet obstacle-là. Mais non, on préfère trouver des raisons pour expliquer le fait qu'au finalement, on ne fasse pas. Et quelque part, au fond de nous, on sait hein, qu'on devrait le faire, mais bon, ça nous conforte dans l'idée que, oh non, c'est pas très bien parce que la raison que je donne là, elle est, oui, elle est concrète, elle est valable. Bien sûr qu'elle est valable, votre raison. Mais s'il fallait que toutes les raisons soient valables pour le faire ou ne pas faire une chose, on ne ferait jamais rien dans la vie. Parce qu'il y a toujours une part de risque. Donc, pour réagir, pour répondre à cette question vraiment qui me fait l'effet Fukushima aussi, c'est est-ce que tu laisses la honte, la peur, les regrets, la culpabilité orienter les choix que tu prends dans ta vie, pour ta vie? Non. Non, non. Sauf une fois, peut-être, pour la peur. Mais j'ai envie de dire, c'était dans le bon sens du terme, je vais vous partager rapidement une histoire qui m'est très chère. C'était il y a environ 7 ans. Je devais rentrer à Yaoundé parce qu'en fait, j'étais en France, quelques jours en France, pendant que j'habitais à Douala. On est venu quelques jours en France et je devais faire un événement à Yaoundé d'une semaine pour un client. Et donc, j'ai dû rentrer, faire l'aller-retour d'une semaine. Et le voyage retour, hein, je suis seule dans l'avion, non, je suis pas avec mon mari, je suis seule dans l'avion. À cette époque-là, je ne suis pas encore mère. Et l'avion fait une espèce de... comme ça. J'ai failli, on pensait qu'on allait tous mourir, parce que je vous épargne le scénario catastrophe, hein, comme dans les films. D'ailleurs, tout le monde hurle, tout le monde crie, les gens pleurent. Moi, j'étais tellement tétanisée que mes jambes ne fonctionnaient plus, elles ne réagissaient plus. La personne qui était à côté de moi, elle riait, mais c'était un rire nerveux, mais riait aux éclats avec des larmes qui coulaient. La femme qui était à côté de nous était en train de vomir dans son petit paquet, désolée pour le mot, mais c'était vrai. Et il y avait une femme qui était juste à côté de moi, qui hurlait, qui pleurait. Et moi, j'avais l'air bête, là, comme ça, j'essayais de voir ce qui se passait. Et je tremblais tellement que mes jambes, je ne les sentais plus. Je vois en face de moi l'hôtesse de l'air qui raccroche l'interphone, là, et puis qui se met à pleurer elle-même avec un sourire. Donc, bref, c'était vraiment... ça a dû durer peut-être 2-3 minutes, mais ça, on avait l'impression que ça durait un quart d'heure. Vous savez, au niveau du Mont Cameroun, les avions doivent normalement contourner le Mont Cameroun et surtout pas passer au-dessus. Bon, pour passer au-dessus, au fait, ça fait gagner, je pense, un quart d'heure, 30 minutes par rapport à l'heure d'atterrissage. Et voilà, en termes de kérosène et compagnie, peut-être aussi ça fait économiser, j'imagine. Parce que le Mont Cameroun a cet effet aimanté, vous voyez, attire l'avion vers lui. Et apparemment, il y aurait eu pas mal de crash par le passé, hein, il y a plusieurs années. Donc, du coup, normalement, les pilotes ont pour consigne de contourner le Mont Cameroun le plus loin possible pour ne pas avoir cet effet, justement, d'attraction. Et je ne sais pas s'il était passé au-dessus, quoi qu'il en soit, entre le moment où il a annoncé qu'on allait atterrir et le moment où on a atterri, en général, il se passe 30 minutes en moyenne. Parce que l'atterrissage, il est comme ça, il se fait de manière vraiment progressive, assez douce. Et là, quand l'avion, vous êtes là, et tac, ça fait ça. Le pilote, tellement stressé, il y avait un monsieur qui était debout, il crie « Monsieur, asseyez-vous, on passe une zone de turbulence. » Et quand il le dit, l'avion flanche, bref. C'est pas la peur, là, c'est une espèce de phobie. Déjà que je suis phobique de l'avion, mais c'était pas la peur, c'était au-delà de la peur. Et là, je vois ma vie défiler. Oui, je me dis, c'est bien, Lina, t'as des projets, c'est bien, Lina, t'as gagné de l'argent, tu gagnes de l'argent, c'est bien tout ça. Mais concrètement, là, tu meurs, il se passe quoi? Ton nom s'éteint, là. C'est-à-dire que, oui, ton nom s'éteint. Tu des projets, c'est bien, hein, qu'on a réalisé de beaux projets, mais j'ai toujours voulu être mère. Et à l'époque, Dieu merci, j'avais déjà trouvé l'homme avec qui je voulais faire ma vie. Et il me disait, bah, enfin, mon enfant, je suis prêt. Moi, je suis prêt à faire. Et moi, je dis, mais non, je ne suis pas prêt pour ce gars dans ce monde de l'entrepreneuriat. J'imagine, c'est compliqué. On n'a pas d'argent, comment on va faire, tout ça. Non, il faut d'abord qu'on se mette ouais, les critères, là, les cases, à cocher. D'abord, X milliers d'euros sur le compte, d'abord, X machin avant de. Mais ce jour-là, je peux vous dire que ma vie a défilé devant moi comme ça, quand on a atterri. Il fallait repartir en France pour revenir. Quoi qu'il en soit. J'ai passé la semaine la plus horrible, une des semaines les plus horribles de ma vie d'adulte. Parce que pendant une semaine, je n'ai pas dormi, j'ai revécu l'espèce de pop comme ça. Donc je suis allongée dans mon lit, toute la journée je travaille, et bon, le soir je suis allongée, et je revis dans le lit, j'ai l'impression que c'était une phobie, et je hurlais le soir. J'ai appelé mon mari qui était
rester à Paris à ce moment-là. Il pouvait dire que ça n'allait pas. Il m'a dit, écoute, reste à Douala et moi, je reviens. J'ai dit, non, c'est comme le vélo, si je ne remonte pas là, je ne reprendrai plus jamais l'avion. Je suis repartie. Mais vous savez quoi? Pour en terminer avec cette histoire, cette peur-là, c'est même pas la peur, je ne sais pas quel terme utiliser, vraiment, c'était une phobie, c'était quelque chose de complètement cauchemardesque. Mais ça m'a permis de me dire, c'est important pour toi, Lina, d'avoir un enfant. Est-ce que tu m'as encore laissé le temps passé? Parce que si ça se trouve, c'est un appel de l'univers. Après, voilà, les signes, on voit les signes où on veut et on les interprète comme on le souhaite. En tout cas, moi, le signe pour moi, à ce moment-là, c'était Lina, arrête d'attendre. L'homme, là, tu l'as trouvé. L'argent, ça part, ça vient. Donc, si tu attends d'avoir un millier d'euros, des centaines de milliers d'euros juste pour avoir le bébé, si ça se trouve, ça ne viendra jamais. Donc, je vous assure, mesdames, à ce moment-là, j'ai arrêté la pilule. On était en fin juin, j'ai arrêté la pilule en juillet. En août, j'étais enceinte. Donc, cette peur-là, m'a aidé à prendre un choix dans ma vie et qui a permis aujourd'hui d'avoir notre premier enfant. Voilà pour le petit partage, mais sinon pour le reste, je trouve que c'était plutôt une belle peur avec du recul. Hein, sur le coup, belle peur, non. Mais sur le coup, voilà, avec du recul, c'était une belle peur à avoir et ça m'a aidé à trancher, comme dire voilà, c'est bon, ça y est, là, t'as trouvé l'homme, c'est bon. Vous êtes marié coutumièrement, c'est bon, qu'est-ce que tu veux d'autre? L'argent, ça va, ça vient, donc ça suffit, vas-y. Dieu merci, elle se porte bien, elle est en bonne santé, et il a fallu que j'ai cet incident, cet événement qui aurait pu être dramatique du coup, mais qui a suscité une peur extraordinairement forte, puissante, au point de me dire, je souhaite ne pas devenir mère, parce qu'encore une fois, ça peut faire l'objet d'un autre sujet, mais devenir mère comme ça, je crois sincèrement qu'on ne se lance pas dans ce projet-là de manière un peu à la légère, en tout cas selon moi. Voilà pour la question 9. La question 10, c'est la dernière, c'est « Ta réalité est le fruit de ton imagination. Quel est ce en quoi tu crois profondément et que tu vis ?» Ta réalité est le fruit de ton imagination. Quel est ce en quoi tu crois profondément et que tu vis? Ah, mais cette question. J'aurais tellement aimé partager ça avec quelqu'un, avec une invitée. Et j'ai tellement des prénoms tels possibles avec qui partager ça. Mais on est ce qu'on pense. On est ce qu'on a dans notre tête. Si vous pensez que vous pouvez y arriver, c'est peut-être facile à dire, mais vous allez y arriver. Si vous imaginez un scénario complètement dingue de votre vie, d'un projet, ça va se faire. J'ai envie de partager avec vous en avant-première un événement qu'on organise, qu'on va préparer, quelque chose d'assez privé. Je ne vous dis pas où, je ne vous dis pas quand. Je vous dis juste qu'on prépare quelque chose d'assez beau, d'assez grand, à notre niveau, à notre échelle encore une fois. Quelque chose qui, par le passé, on avait imaginé quand j'ai vu passer, c'était il y a un an et demi, hein, pour la faire simple. Il y a un an à peu près. Il y a à peu près un an. Vous imaginez un peu quand vous avez en tête une envie de projet, d'un événement tellement fort, tellement grand, que vous arrivez limite à voir, à visualiser, à voir le film devant vous, au fait, de cet événement-là. Et c'est parce que vous avez ça en vous, que vous gardez ça, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé moi, parce que j'ai ça en tête depuis un bon moment, que j'ai l'impression de vivre cet événement-là avant même qu'il ne soit réalisé, qu'il se réalise en fait, vous voyez. Vous imaginez comment ça pourrait être. Vous imaginez comment vous souhaitez que ça soit, avec les visages, de manière très claire. Et c'est comme un film au final. Et ce que j'aime dans le sens des mots et de la puissance de la pensée positive et de l'imagination, c'est que ce qu'on pense, c'est comme une espèce de message à l'univers qu'on envoie et on met en action, en fait, avec d'autres femmes, d'autres personnes, ce qu'il faut pour pouvoir atteindre cet objectif-là, pour pouvoir réaliser cet événement-là. Donc, du coup, le fait de partager ce qu'il y a dans la tête avec une femme, une autre femme ici et là, qui elle aussi, du coup, vous lui transmettez votre imagination, en plus si c'est quelque chose de positif aussi pour elle, elle va enrichir votre imagination, elle va enrichir cet événement-là.
Vous allez prendre cet enrichissement-là avec ce que vous avez. Vous allez encore aller partager ça avec une autre femme parce que l'objectif de cet événement-là, c'est qu'on soit 3, 4, 5, maximum 10, en tout cas pas plus. Et que, encore une fois, avec ce que vous avez partagé avec la personne, la première femme, vous la partagez avec, vous partagez avec une deuxième femme, vous êtes 3 du coup à imaginer encore quelque chose. Et avant ça, et avec Joël et Père, vous avez déjà une autre imagination de la chose, avec justement ce qu'on peut rajouter pour cet événement-là. Et petit à petit, sans même s'en apercevoir, on a un événement pratiquement clé en main et qui est prêt à être vécu ensemble. Et lorsqu'on va être dans le moment, ça va être quelque chose de tellement beau qu'on aura l'impression de l'avoir déjà vécu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu l'effet, vous savez, déjà vu. Je crois sincèrement, au-delà du déjà vu, c'est peut-être aussi les réminiscences de quelque chose qui est tellement profond en nous, qu'on a tellement voulu, qu'on a tellement cherché en nous, que lorsqu'on le vit, on a l'impression d'avoir déjà vécu, parce qu'au final, c'était tellement clair dans notre tête. Lorsqu'on le vit, on se dit, ah ouais, c'était ça. C'était ça. Donc, mesdames, ayez en vous des pensées positives, des pensées qui disent que je peux le faire. Parlez de vous à l'affirmation, à l'affirmative, et non pas à la négative. Et arrêtant les phrases « je ne peux pas »,« je ne veux pas », »,« je n'y arrive pas », non. Ou si vous le faites, rajoutez encore « je n'y arrive pas encore ». Ça implique que pour le moment, là, à l'instant T, je ne peux pas encore, mais je vais y arriver. Ça envoie le message à l'univers que j'ai envie d'y arriver. Mais maintenant, comment faire pour y arriver? Qu'est-ce que j'imagine mettre en place pour y arriver? Quand on voit quelqu'un dans la rue qui a l'air tellement joyeuse, belle, machin, oui, elle a peut-être ses insécurités avec elle, elle a peut-être ses craintes, son fardeau, mais parce qu'elle est en mode, oui, viens ma peur, viens mes craintes, viens mon insécurité. Faisons un petit chemin ensemble. Malgré tout, je ne fais pas de toi un opposant, une concurrente. Tu vas toujours faire partie de moi. La peur fait partie de nos vies, mesdames. Mais faisons une alliée de cette peur. Et donc, faisons en sorte que cette peur-là nous donne les bons messages. Et que ces messages-là, on les transforme en quelque chose de positif, en quelque chose de qu'on imagine positif pour nous, mais aussi pour les personnes qui pourraient bénéficier de ce qu'on doit faire. Si vous avez en vous l'envie, le besoin, que dis-je, pas l'envie, parce que l'envie, c'est un peu passager, le besoin de réaliser quelque chose, et que vous avez imaginé cette chose-là, et que oui, je l'entends, je le conçois, qu'il y a effectivement peut-être éventuellement les barrières financières, et qu'il y a peut-être effectivement la partie logistique à gérer, mais attendez, si cet événement est en guillemets grandiose, commencez petit. Encore une fois, vous mettez ce que vous voulez dans le petit. Si vous rêvez, vous imaginez faire un événement, je dis n'importe quoi, à Bercy ou j'en sais rien, ben imaginez ce même événement dans un format plus petit. D'abord, pour commencer, ce qui va peut-être demander un peu moins de ressources financières, un peu moins de ressources logistiques, un peu moins de ressources humaines, pour pouvoir faire que cet événement-là fonctionne. Faites-le une fois, faites-le deux fois, regardez ce qui aura fonctionné, ce qui aura moins bien fonctionné, comment l'améliorer plus tard. Et ensuite, lancez-vous. Et ce qui est bien dans ce qu'on fait avec The Focus, c'est qu'on n'est pas seul. C'est ça aussi la force du réseau des femmes. Et moi, je trouve ça juste exponentiel. Et ouais, il faut que j'ai envie de le dire. C'est juste jouissif de se dire, on avait imaginé quelque chose dans notre tête, à 3, je vais aller perdre, et moi. Et puis qu'aujourd'hui, on soit plus d'une cinquantaine, que dis-je, bien plus qu'une cinquantaine à avoir participé, à contribuer, à faire que ce qu'on avait pensé, le focus, un média qui valorise la femme dans son rôle de maman et professionnelle, fasse plein de choses, qu'on ait un magazine, qu'on ait une radio web, qu'on ait un réseau social, qu'on ait une web TV, aujourd'hui on a une chaîne YouTube. Donc c'est pas impossible, et tout part de l'imagination. Quelle est ton imagination? À quel niveau se situe ton besoin, ton envie d'aller jusqu'au bout, au-delà de l'imagination, d'aller jusqu'à la concrétisation, et pour le vivre enfin dans la vraie vie, c'est de le vivre quoi. Et ça, mesdames, je vous assure, il n'y a pas de prix à cela. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez, faites-le. Il y aura toujours des imperfections,
La perfection n'est pas de se doubler dans tous les cas. Il y aura toujours des choses à améliorer. Oubliez les gens qui vont vous dire « Ah, on n'entend pas bien. Ah, ça c'est trop nul. Ah, ceci, cela. » Il y aura forcément une autre personne qui va aimer ce que vous allez dire, qui ne verra même pas toutes les imperfections que peut-être que vous-même vous voyez ou que les autres personnes vous disent qu'il y a. Et on est 7 milliards sur Terre, j'aime bien juste terminer par là. On est 7 milliards sur Terre. Peu importe ce que vous allez faire, il y aura toujours des personnes qui vont venir critiquer. Au final, si votre imagination vous dit de faire ça tel que vous le souhaitez, faites-le. Il n'y a que vous, au final, d'abord qui comptez. Et ensuite, il y a une ouverture vers les autres. Mais ne laissez pas les autres décider pour vous. Vous êtes une warrior, au final. Et parfois, le fait de faire des choses, de sortir un peu de sa zone de confort, de l'élargir, de faire des choses un peu différemment que les autres, c'est aussi une manière de faire exprimer la warrior qui est dans vous. Parce que oui, je crois sincèrement, encore une fois, que nous avons toutes en nous, messieurs, je n'en ai pas que vous, mais c'est le média qui est déjà la femme, mais nous avons toutes en nous une warrior à des intensités différentes, à des degrés différents, à nous, si on le souhaite, d'aller chercher cette warrior, la faire ressortir et de la mettre, on va dire, au bénéfice, de l'utiliser à bon escient. Il ne s'agit pas d'aller non plus crier sur tout le monde, hein, la warrior, c'est pas que ça n'a la guerrière, c'est la warrior dans un projet. Moi, je parle beaucoup de projets parce que c'est aujourd'hui ce qui me définit le plus. La professionnelle qui est en moi et, prend beaucoup plus le pas sur, entre guillemets, la femme. Et encore une fois, ça reste une seule fille, la femme, la mère et la pro, c'est la même personne. Mais je parle beaucoup de projets parce qu'au final, que ce soit les projets de vie professionnelle ou personnelle, ça reste quand même des projets. C'est pour ça que je parle de en projet. Mais mesdames, voilà les 10 questions que j'ai pris plaisir à partager avec vous dans un format un peu intimiste, vraiment en mode toute seule, mais c'est pas grave. Je tenais absolument à le faire avec vous, même si vous regardez de manière différée. Je serais tellement ravie de pouvoir lire vos réponses, peut-être vos questions si vous en avez, si vous souhaitez contribuer à la plateforme Secret de Femmes. En parcourant un peu la plateforme dans le lien et dans cette vidéo, vous pourrez voir qu'effectivement, il y a plusieurs femmes qui proposent des sujets. Il y a plusieurs sujets qui ont été faits grâce à des interventions, à des discussions, à des questions même qui nous ont été envoyées par des femmes pour pouvoir, encore une fois, le publier sur la plateforme Secret de Femmes. Et je vous le rappelle, une thématique abordée avec une femme peut aussi l'être avec vous. Ce sera avec grand plaisir que nous vous accueillerons sur Secret de Femmes, qui est une émission estivale. C'est censé être la dernière émission de cet été. Nous, on vous retrouve dans tous les cas en septembre pour la rentrée des 3 co-animatrices dont je fais partie pour l'émission Focus sur. Et n'oubliez pas, en attendant, de prendre soin de vous, de continuer à croire en vous, mesdames. Si vous avez besoin d'un peu de positivité, d'un peu d'une grande dose de bienveillance et d'un coup de boost, je serais ravie de pouvoir vous l'apporter. Joëlle Perle également et toutes les femmes qui constituent le réseau The Focus, mais pas que. En attendant, prenez soin de vous et je vous remercie de avoir regardé Secret de Femmes pour un sujet qui aujourd'hui parle à la warrior que vous êtes. C'était Linda Kouvoma-Moutomé. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.